He's off! He's off. Il me laisse au beau milieu de nulle part. Et je l'attends depuis, il n'est pas encore là. Par contre, toutes mes excuses. Il y avait un embouteillage, raison pour laquelle j'ai plus de temps avant de venir. Il y avait quel embouteillage? Il y avait beaucoup d'embouteillages. Hey, tu te fous de moi? Hein? Tu me laisses planter au milieu de nulle part. Depuis longtemps, tu es parti. Et tu viens te pointer, mais là, tu oses me dire qu'il y avait un embouteillage, c'est ça? Mon ami, il y avait un embouteillage. Arrête de me raconter des conneries. C'est sûr que tu es encore sorti avec l'une de tes filles là. Ou bien, tu es allé en balade de voiture avec elle. C'est ça, non? À vous! Non, non, madame. En fait, je ne blague pas. Sinon, j'allais venir depuis. Il y avait un embouteillage. Écoute. Que ce soit la première et la dernière fois que ça arrive. La prochaine fois que tu reprends, je te renvoie. Tu as la chose que je ne sais pas conduire. Allons-y, madame. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Viens, viens. Oui, madame. He's off! Yeah! He's off. Hey! He's off. Quand tu partais là, qui allait m'ouvrir la portière? Hein? Hein? Qui allait m'ouvrir? Ah! Tu oses lever la main sur moi, c'est ça? Tu oses lever la main sur une femme, c'est ça? Tu veux passer le reste de tes jours en prison? J'espère que tu connais très bien mon mari. Tu le connais très bien, non? Continue. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, tu me frappes, non? Frappe-moi. Frappe-moi, je te dis. Qu'est-ce que c'est, manière-là? Tu oses lever la main sur moi? Mais madame, vous ne pouvez pas... Vous déplacez de la voix. La voix, c'est pour vous. Mais c'est quelles sont ces manières-là? Je suis désolée. Non. Ne vous fâchez pas. La voix n'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas rester sur la voix. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ou bien vous croyez ou quoi? Vous croyez où? Hein? Mais madame, calmez-vous. Vous croyez où? Dis-moi, vous croyez où? Non, il y a des choses que moi, je n'ai pas. Ça ne dit pas ça. Hein? Vous croyez où? Déposez-moi ça. C'est quoi le problème? C'est pas avec tout le monde, on fait ça. Vous comprenez, madame? Je vous ai pourtant demandé de m'excuser. Je parle, tu parles. Regardez-moi ça. S'il vous plaît, tonton. Bonjour, je vais plus. Bonjour, tonton. Oui, bonjour. S'il vous plaît, excusez-nous beaucoup. J'aimerais que vous nous dépanniez un peu, quoi. Mon frère est très malade et puis depuis, on ne trouvait pas deuxième pour aller à l'hôpital. Vous pouvez nous dépanner un peu, s'il vous plaît. Ah, moi, ma patronne m'a commandé. S'il vous plaît, tonton. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Il a regardez quoi? Regardez comment il tremble. Il a la fièvre, tout, s'il vous plaît. Eh mais vous êtes sûr que vous allez faire vite? Parce que oui, je dois aller chercher mon maman. On va pas durer, s'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. C'est lui le grand frère d'Aïcha. Oui, c'est pas ça, mais... Qui t'a dit? Excusez-nous, tonton. Merci ça va, beaucoup. Déjà. Oui, merci beaucoup. Non, c'est bon, allons-y vite, moi je suis en retard. D'accord. Ma patron m'attend depuis. Ne vous fâchez pas. Hé, hey, il y a quelque chose, je ne peux pas vous ramener chez vous là-bas. Parce qu'il y a ma patronne qui m'attend. Donc je vous dépose juste avant et aller chercher ma patronne. D'accord. D'accord. Je ne peux pas vous amener, j'ai dit ça maintenant. Il n'y a pas de souci. Rentrez, vous. Merci beaucoup, on va chercher taxi. D'accord. Madame, ça va? Pas tout. Ah. Hey. Attends. Toi, tu étais debout là et tu pouvais pas me défendre, c'est ça? Hein? Non, madame. C'est une femme. Je ne peux pas frapper une femme. C'est interdit par la loi. C'est pour ça que tu as vu une folle en train de frapper ta patronne et tu es resté debout à regarder. Elle vous a corrigé. C'est tout, madame. Elle m'a corrigé. Ouais. C'est ce que vous méritez. Ok. On va revoir ça plus tard.
Viens me déposer à l'hôpital, s'il te plaît. Ah, sinon, madame, pour votre information, prenez votre clé. Je préfère rester affamé à la maison qu'on me fait tabasser par la femme de mon patron. Comment ça? Qui va m'emmener à l'hôpital? Chauffeur! Ah, le chauffeur.